Numéro 1. Sur le moins plein, on va rester sur le principal tout le temps. Mélange un verre d'eau. Attention pour une synchro caméra, elle est rouge sur la tête. Ouais. Ok, nickel. 3, 2, 1. Okay. Attends, on va vérifier les désencreurs ici. Tu peux vérifier, tout est en place. Si c'est bon. Moi je vois pas. Ils sont pas, non, ils sont tous mis à la plat comme il faut. Ok. La contact batterie se rend. Alors au niveau de l'audio, démarrage audio, 3, 2, 1. Okay. Anti-collision sur on. Nos verriers, les fonctionnements attachés. On peut démarrer, c'est bon. Autorisé, okay, à démarrage. Bon. Autorisé. C'est quand tu veux. 1, 2. Je pousse 1 cm les pieds sur les freins, jamais sur le bas, il n'y a personne. Ionic Master, ah, vous m'entendez? Je t'entends, Johan.
facilement technique qui fait ce bruit-là. C'est bon, vous m'entendez? Oui, nickel, Jean-Luc. François? Vous m'entendez maintenant? Oui, ouais, François aussi. C'est bon. Donc c'est ok pour l'audio, j'ai une petite numétrie comme ces derniers temps. Problème de contact, c'est pas bien grave, mais ça persiste. Hein. 1, 2, 3. Ah oui, donc il y a un problème de contact en fait. Hein. C'est bien ça en fait, il y a un faux contact quelque part. 1, 3. 1. Ah, j'ai changé le dispositif et ça me fait des faux contacts. C'est fort quand même ça, alors qu'en fait il est supposé pas en avoir. Bon ben on verra bien. Attaché, encore, on peut l'attacher derrière. Ouais. Pas encore. Là. Là on est au sol de Fox Golf Mike, hein. Israël, bonjour. Fox Golf, bonjour. Fox Golf Mike, extrait Oscar, on revient à DR400, 4 personnes à bord avec l'information Alpha reçue. On est parking essence et demandons roulage pour un vol local. Fox Oscar, pour son 3720, roulez pour l'attente 26-2, rappelez-le. 3720, je roule 26-2 et je rappelle très extrait Oscar. À gauche, aiguille à gauche, aiguille à droite, cap 10 000, horizon artificiel stable. Bon alors le bip bip qu'on entend là. Voilà, c'est l'anticol. T'as relevé le ramètre, hein? Ouais. Il y a 13, au premier départ. D'accord. Bon, il dit nos GPS position, là. Ouais. Il nous captera un peu plus tard, sinon... Ben, sinon, c'est intéressant, on est parti pour faire une neuve BFR. Donc on aura juste l'assistance de nos tablettes. Non, alors en fait, c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est François, dont c'est le quasi-baptême depuis des années. Il va être notre navigateur. Moi, je vais suivre, mais comptez pas sur moi. Avec sa super tablette. Ah si, avec un dispositif comme ça, il nous emmène au bout du monde. Bon, il est déjà chaud, moi, avec mon truc. Ah, revenu le GPS, c'est bon. Ah mince, c'est dommage, on va pouvoir se perdre. Ah. Pas que je vais quand même l'enlever parce que c'est vraiment chaud. Les essais moteurs ici, relais de données dans l'axe frein de parc serré, sélecteur essence pression d'huile ouvert, sélecteur essence dans le vert, pression
Descente pour monde, tenue, pression et température d'huile dans le verre. Je vais mettre 2000 pour Newton. Je vais vérifier qu'on n'avance pas, je regarde dehors. Voilà, 2000 tours. Gauche. Je vais faire 125 tours. Droite. Et 2000. Je vais faire 100 tours. Il y a 25 tours de différence, acceptable, c'est bon. Droite. Échauffe carabut. Je vais faire 150 tours, nickel. Droite. Ralenti, stable, 600 tours, nickel, ralenti, pas de détonation. Et là, c'est un peu... Là, c'est il est sur du 80. Donc c'est conforme à ce que disait. Oui, c'est pas... C'est... En tout cas, ces instruments-là ne l'utilisent pas. Il n'y a que ça qui ouais. l'utilise. D'accord. Donc, on est... Ça tombe bien, c'est celui qu'on 1200, regarde le moins. 1200. Quand même, qu'on regarde pas du tout. 1200. Avant décollage, serrage de frein de parc maintenu. Contact magnéto sur boîte. Batterie sur on. Alternateur sur on. Charge alternateur dans le verre. Réchauffe carbure poussé et verrouillé. Mélange vers le haut. Essence sur le principal. Horizon artificiel, c'est bon pour 1 et bon 2. Là, c'est 360, c'est 360, j'ai un hecto, pascal de différence, c'est bon. Je commande, libre, pardon, les genoux, à gauche, c'est un monde, le libre est dans le bon sens. Tombeau, bonjour. Compensateur sur notre... C'est un tambour, DR400, au parking, les aiglons. Ceinture attachée à gauche, ceinture attachée à droite, à droite attachée à gauche, attachée derrière. Information alpha reçu. Ceinture attachée, trois points, pompe électrique sur on, un contrôlé, sortie et symétrique. Derrière, non verrouillé, l'éjecteur en place à gauche, en place à droite. Pression d'huile et température dans le verre, et pression d'essence dans le verre. Donc, je vais décoller sur la piste 26, alignée, je dirais, cap 262. Je vérifie la puissance 2200 tours minute minimum. Rotation 54 nœuds, montée initiale 75. À 700 pgnh, je rentre les volets et je cherche 80 nœuds. Je fais deux virages à droite, je monte à 1500 pieds et on sort dans l'axe devant arrière. En cas de panneau alarme avant 54 nœuds, je redis, je freine, je sors par la droite. En cas de panne moteur, panne mineur après décollage, je ferai un circuit adapté main droite pour ne revenir sur la piste. En cas de panne moteur après décollage, je pousse sur la manche pour garder une vitesse max de 81 nœuds. On est prêt? On est prêt. Oui. Le sol de X-ray Oscar, point d'attente à 26 prêt au départ. X-ray Oscar maintenant en point d'attente, veille la tour 118 décimal 6. On maintient point d'attente et on veille la tour 118 décimal 6 et X-ray Oscar. X-ray Oscar, le départ, bonjour, les niveaux de piste 26, autorisé décollage, vent 240 degrés 8 nœuds. Bonjour madame, en fin de ligne 26-2, autorisé décollage. Ah. Ce sera un départ à 57. Donc on est top au niveau du décollage. La puissance est disponible, talon sur le plancher, plein de gaz. Le badin est actif, le vent est dans l'axe, on regarde le pied à droite, on reste dans l'axe, on a tenté 54 nœuds, 54 nœuds et rotation.
Après sortie du GNH, je rentre les volets. Pompe off, checklist après le codage. Volet rentré, pompe off. Réchauffe off, plein riche. Les instruments sont en vert. On continue en atelier rouge. Et blanc, on tourne 20 degrés max avec le pied. La visée est très bonne. Je vois le fameux damier. Ouais. Bah, il grimpe bien avec ça. Voilà, le MIPS est établi, il nous reste encore 200 pieds pour arriver à l'altitude affichée. Là on est à 1500. Les instruments sont dans le vert, 2500 tours. Je redescends un peu, pardon, je redescends un peu, je corrige l'altitude. Et c'est parti mon Tiki. Donc on va chercher le point Utella pour vraiment commencer la navigation. Donc on va dire qu'il est 9h58. Ouais. Donc 58 plus 16, ça fait 0,4. On devrait être au sud de Château-Thierry vers 10h15. Je m'applique à 10h et j'attends en fin de je serai preneur 10h15. Fox Yankee, piste 26 dur, autorisé décollage vent 270 degrés 7 nœuds, vertical approuvé, rappelé pour quitter. Autorisé décollage vertical, Fox Yankee, je passe à 80. J'étudie les arrières de du décollage en 08, Johan, ouais. Pour des atterrissages d'urgence. Ouais. C'est intéressant ça. Ah, le terrain qui est là, ouais. Il y en a un qui est intéressant. Il est un peu loin, mais il est intéressant. Bonjour, les niveaux piste 26 dur et attendez. Enfin, les autambos, dans la ligne, j'ai ma ligne et j'attends. Ah bah ben Jean-Luc, il est parti hein. Ouais ouais, parfait. François, ça va? Très bien. Top. Je suis. Tu suis? Je suis. Bon. Ouais, donc tu verras sur ce log, j'ai volontairement pas beaucoup de poids. Parce que j'ai déjà assez de sur place. Et ensuite le flash, c'est clair qu'on connaît. Donc les points initiaux sont pas très intéressants. Ouais, bien sûr. Alors, 40 sorties pour quitter la 5. Donc 612, 4 en fondeur 7000, qui était à tout à l'heure. À 7000, à tout à l'heure. 126, l'estimant. Unité, ouais. Alors, ça, c'est pas de fois, bonjour. Donc, c'est pas de fois, bonjour. Alors, c'est pas de fois, c'est un peu à 32, ça dit pour un relâche pour les fonds. C'est bon. Voilà, Paris. Il a une belle vue quand même là. Ben, ils sont passés au poste là. Bon mais Jean-Luc pour reprendre la taille qu'ils font tout à l'heure, ils doivent être à 2000. Hein? Les nuages là. Ouais, ils doivent être à 2000, 2005, je pense. Maximum 2005. On approche le cerf pour nous quitter. Fox Delta Mike avec Auxerre et 7000, au revoir. Paris Info de Fox Golf Mike, extrait Oscar, bonjour. Et pour le Delta Mike 7000, on quitte, au revoir. Sagir Blanc, Paris Info, bonjour. Bonjour. Bien sûr. Numéro 1 pour la voiture, Fox Golf Mike.
station Plan Paris, bonjour. Okay, Air Info de Fox Kilo India, bonjour. Air Info de Fox Golf India Kilo India, on vient d'être lâché par Deauville, un DR400 en provenance de Grandville à destination de Beauvais. De son abord, nous avons 7000 au transpondeur et Deauville nous autorisait à voler au niveau 60, QNH 1013. Kilo India, transpondeur 70-03. 70-03 pour le transpondeur, Fox Kilo India. Paris Info de Fox Golf, Mike, Extra-Yoscar, bonjour. Donc vous pourrez continuer. Bien pris, je continue au niveau 500, Fox Kilo India, merci monsieur. C'est à temps, vous êtes sur le côté de la caméra, ça serait bien aussi, de filmer avec. Et quand on est stop, ça pourrait bien filmer avec. Tu le veux? Ah ouais, je le rappelle. Sinon, il ne dérange pas, là. Paris Info de Extra-Yoscar, bonjour. Qui appelle par info? Fox Golf Mike Extra-Yoscar. Fox Golf Mike Extra-Yoscar, par info, bonjour. Bonjour, Robin DR400, 4 personnes à bord pour un vol local en départ et à destination de Logne. On est à l'ouest de bord de Poulonnier pour information de notre pilote. Okay. Profondeur 70, 12. J'acquitte 7-0, unité 2 pour Extra-Yoscar. Correct, Extra-Yoscar, vous confirmez c'est un vol départ destination Logne? Affirme, Extra-Yoscar. Paris Info, une fois que ce sera en novembre, c'est pour savoir si les zones militaires de Saint-Avor sont actives. C'est en novembre, avant méthode active. Merci. Alpha Yankee pour passer avec Charleville. Alpha Yankee avec Charleville, 7000 en bas. 7000 en bas. Donc c'est Delta Tango Transponder 7000 qui était à tout à l'heure. 7000, je dis Tango Yankee. Mais là, ça passe, non? Donc Oscar Charlie Lognier, tour bonjour, niveau piste 26 dur et attendez. Charlie Lima, par info. Ligne, 26 dur et j'attends. Fox. Gauche, Charlie Lima, par info. Fox, Oscar Charlie, piste 26, dur, autorisé décollage, en 280 degrés, 7-9. Autorisé décollage, piste 26. Là, il n'y a pas que ça, Yoki, le membre, bonjour. Donc c'est Yankee novembre, lundi tour, bonjour, attention de 37-30, je vous écoute. Donc c'est Yankee novembre, rappelez écho, attention de 37-30. 37-30, Yankee novembre. Appel écho. Actuellement 1500 pieds.
Donc on avoue que c'est bien derrière, on a les feuilles mer en haut de la barre à gauche. On doit être quelque part par là, c'est là. Transpondeur 70-17. On a la certitude de voir juste devant la droite. Donc là tu pars à gauche, même bien à gauche, pour éviter la ville qui est devant nous. Il vient vers l'autoroute, personne à droite. Voilà. Et en fait, l'idée générale, Johan, tu vois, ça va être d'aller sur les forêts qui sont là, et ensuite de viser un peu plus vers l'est, en évitant les îles qui sont en dessous, en fait. De manière à garder la barre sur notre droite. D'accord ? Donc la Ferté sous le voir à droite. Québec uniforme, bonjour. Il est 08. Québec Victor, pardon. Fox Alpha Zulu Québec Victor, transpondeur 70-21. Le transpondeur 702 unités. Oui, vous êtes identifié, Québec Victor.
descend à 2700 pieds, QNH 1014, transpondeur 7000, deux personnes à bord. Et où ça partirait? 70, 70, 65. Ah non, c'est plus long, c'est nickel. Donc là maintenant Yohann, on va trouver, on trouverait
déterminer si on a une rigoureux au niveau du pilotage parce qu'il n'y a quasiment pas de repère. Bonjour Delta, Oscar Hotel pour le Oscar Hotel, rebonjour, identifié, la montée Oscar Fox, contactez-moi 120 décimales 325. On contacte 120 décimales 325, Oscar Fox. Donc on a environ 10 minutes en ligne droite là. Donc on aura quand même un bon point de repère qui sera la ville d'Épernay sur notre avant gauche. Quand même excessivement grande. Station à plan, c'était l'Oscar Fox. Golf Oscar Fox, écoute. Oui, c'est parfait, je vous reçois. Ok, je sais où on est, on a le pilote devant nous, là. Il est sur la carte. Oui. Ok, donc là, on est légèrement 500 mètres un peu au sud de la trajectoire. Mais on est bon. Donc, j'en approche le pilote. Ouais, non, c'est bon, là, tu peux rester là, c'est bon, on est nickel. Comme ça, ça donnerait une petite marge. Fox, Golf, Sierra, Bravo Alpha, bonjour. Donc la route, ouais, Fox, c'est 0,89, exactement. Bonjour. Bravo Alpha, BR400, en provenance de Vitry-Saint-Paul, à destination de Rotel, deux personnes à bord, 7000 transpondeurs, premier pied, 1014 QLH. Reçu, Golf Sierra, bravo Alpha, vous êtes identifié, affiché 34-50. Ouais, il est maintenu à 4 plus le giro. 34-50, bravo Alpha. Ok, on passe au pilote, on a fait quasiment la moitié de la marche. Fox, India, Echo, India, bonjour. Fox, Golf, India, Echo, India, c'est un info moment. Fox, Golf, India, Echo, India, Imper 26, une personne à bord pour un vol en provenance de Toussu à destination de Beaujean. Je suis actuellement à 1500 pieds QNH. On n'était jamais venu par là, Yohan. On a reçu fichier 70, 34. Ah non. 70, 34. Alors à gauche, on a les 7 de Champlain, les 7 des vignes, de Champlain. Je vais être concerné, c'est la marque de Slackley. Ah, ferme. De rien, en filmant, je tire bien le terrain. Ok. Alors là, je dirais de prendre un... Ouais, 99, c'est pas mal. D'accord, donc... François. Oui. Sur ta carte, tu dois avoir des petits lacs, là, des petits étangs. Oui. Eh ben, on les voit bien, hein, ils sont en dessous. Ouais, on les voit bien. Là, je cherchais Bernay, mais c'est pas simple à trouver. Hein. C'est devant nous à gauche, ça. C'est derrière les... Encore loin, je pense qu'on va pas encore, mais... C'est derrière la forêt, là-bas. Salut, bon Fox, bravo Roméo, bonjour. Je commence à avoir une petite bravo, idée. Bravo Roméo, bonjour. Donc, là, ce qu'on va faire, ouais. C'est qu'on mettra le terrain sur notre droite. Hein. Okay. On va se mettre finalement, bon, on va dire 500 mètres du terrain. Et on va se prolonger dans une minute. Et ensuite on fait un virage en rotation. On va faire le nord. Fonction météo, 3 nord, 0, 0, 0, 0. Le 65 et le 85. 55, 65, 85 pour le Bravo Roméo. C'est reçu, vous êtes identifié. Vous avez dû le voir, un 16972 à la remise de gaz à Saint-Denis, vous êtes au-dessus maintenant. Okay, donc on est là, on a le petit village jaune. Donc en fait, sur notre gauche, on va avoir Épernay, la ville, qui va tangenter par le sud. Donc c'est nickel là.
Alpen, Fox, Bravo Alpha. Confirmez qu'il va apparaître derrière la colline là-bas. Bravo Alpha, pouvez-vous me confirmer que la R175 Donc le dernier est juste derrière la hutte, tu le vois? Elles ne sont pas actives. Entre les deux collines, ouais, c'est ça. Reprends plutôt du 90 là. Voilà. Et Bernet derrière la hutte. Echo Hotel Oscar à 2 minutes du largage, surprenez. Reçu Hotel Oscar, pas trafic connu à vous signaler, le largage approuvé, rappel en descente. Rappel en descente, c'est Hotel Oscar. Ok, j'ai une petite idée de là où vous êtes le terrain. Voilà, je suis pas sûr que ça donne grand chose à la vidéo, mais... Ah, merci le néage. Bon. T'as dit merci le nuage, je dis le nuage aussi nous a fait turbuler un peu avec, ah oui, d'accord, avec l'ascendant. C'était lui en fait. Oui. Sans savoir un visuel probable sur le terrain. Et Bravo Roméo, annulé 30 du premier langage 055. Merci Bravo Roméo, et écoutez, le Blue Tag juste en dessous de vous, le C972. Voilà, qui a 1500 pieds, j'imagine qu'il devrait quitter la zone bientôt. Ok, fermez sur la gauche. Je vais vous signaler le largage en fonction. Rappelez pour le tube. Autorisation 55, je vous rappelle pour les suivants. Bravo Roméo, j'ai bien copié la fondation de trafic. D'information, Fox, Bravo Novembre, Québec, Bravo, bonjour. Fox, Bravo Novembre, Québec, Bravo. Confirme le visuel terrain. Ouais, t'as vu à gauche là? Juste dans l'axe là, non, loin devant là, t'as un ballon, un espèce de ballon centre. Ouais. Alors regarde le centre de la ville, t'as l'église, et à côté t'as un ballon. 27000 au transpondeur, la suite avec, écoutez, soit par info, soit vous temporisez, ce sera avec l'ONI. Tu le vois? Ah oui, je vois. Il a une grande antenne là-bas, c'est... La grande antenne tout en bas au fond. Ah ouais, c'est un bout d'aile. Ouais. Alors, le terrain devrait être devant nous à droite là. Je pense que c'est ce truc là. Ouais. Ça ressemble à ça. Tu le vois, il est juste là. Ouais, ok, donc maintenant tu restes sur la trajectoire en ligne droite. Pas de trafic connu à vous signaler, largage approuvé, rappel en descente. Il est 26, donc on est dans les temps. Oh les vignes. Oh Jean-Luc, t'as vu ça les vignes là? Ah, ouais, mais depuis un bout de temps. Ah mais on les voit bien là. Le taille 071 à nouveau sur la fréquence. Du coup je suis passé Fox Hotel India en Brico comme j'étais pas sûr que vous ayez quelque chose pour nous. J'ai quelque chose pour vous. On a pu vous sortir de la régule, vous êtes prêt à copier la clairance pour le retour? Bouteille 071, pardon. Alors du coup vous allez devenir bouteille 072, j'active votre plan de vol. Ce sera une direction Papa Noir moins 619, en montée d'une altitude de 4000 pieds au QNH 1000 et le transpondeur 33-25. Ok, donc tu continues tout droit une bonne minute. Donc Papa Novembre 619, 4000 pieds, 1013 au QNH et 33-25 au transpondeur, bouteille 062. Donc t'as vu deux terrains. 072, c'est correct, vous étiez cherché à présent. Et vous rentrerez en espace aérien contrôlé en rentrant à la TMN de Paris d'ici 4000 euros. Ok, c'est copié, bouteille 062. Merci beaucoup pour votre aide des bouteilles 062. Pas de problème. Je vais passer le point Sierra Mike, je vais passer avec Belin. Affirme, ce sera de l'auto-information Echo India, 121 décimales, unité, 7000 au transpondeur en avant. Sierra 2 est fermé, SW, un avion au décollage.
Fox, bravo Alpha en sortie de Maison, 7302 et par info disponible sur 125 décimales, 7h20. Votre zone, merci, bravo Alpha. Bravo Romeo à 1 minute du largage, second largage niveau 35 à 5 minutes. Je continue dans l'axe, une petite minute entre les deux villes en fait. On va essayer de virer du côté de la ville qui est là-bas. Et on reste combien de temps de vol sur son plan? Fox Oscar Lima, c'est l'information. Bah écoute, là ça fait 2 heures qu'on est parti. Victor Oscar Lima, BA28 au départ de Reims, à destination de Auxerre. 45 minutes environ. Dans une heure, on doit se poser. Monsieur Victor Oscar Lima identifié, vérifiez le mode Delta, j'ai pas de report d'altitude et affiché 34 à 50. 34-50 transpondeur, Fox Oscar. Je confirme, vérifiez bien le mode Delta. Ok, allez, tu vas pouvoir faire un beau virage à gauche là. Quelle route? Et tu cherches au nord. À 90. Nord. Là, tu regardes, tu passes derrière le village qui est là. 360. Au nord, derrière le virage qui est là. Ok, virage à gauche, attention, 30 degrés. Scène de l'US 42. Scène, j'écoute. Est-ce qu'on peut passer un petit message au Bravo Romeo? Allez. Merci, Bravo Romeo, l'US 42. Voilà, ok, ça doit être bien là. Bravo Romeo, à sortie de l'hôtel pour l'US 42. Et Bravo Romeo, c'est ma fréquence. Ouais, quand tu auras 2 minutes, tu pourras passer un 3-4-5. Allez, retour. Alors le château même en fait doit être... Alors attends, voir, là on est là, on a dû faire ça. C'est la photo de Fox Papa Lima, bonjour. Fox Papa Lima, c'est une information, bonjour. Fox Golf Argo Papa Lima, DR4-1 départ de Saint-Denis de l'Hôtel à destination de Mini-sur-Mer, on est 3 à bord, 1800 pieds, clénage 1014, à ta gauche là, 20 degrés à gauche. Golf Tango Papa Lima, affiché 70-32, et confirmez-moi juste la destination. Là, je corrige la trajectoire pour prendre le château. 70-32, la destination est Mini-sur-Mer. Voilà, ça vient à toi. Fox Sierra Charlie. Épernay là-bas, le terrain est... Et ça, parce qu'en tête de langage est terminé, ça en soit. Est-ce qu'on a une voie de chemin de fer en dessous de... Le message. Pas de problème, Oscar Hotel, tout est là. À tout à l'heure. C'est ma faute du Bravo Romeo à émettre des derniers largages, niveau 85 à sonner. Reçu Bravo Romeo, un trafic qui semble rester en dehors de la zone, un certain Fox Zulu voilà. Il orbite sud là, de la zone. À droite de maintenant, 20 degrés à droite. Pas d'autre trafic connu à vous signaler, rappelez fin de largage en descente. Ok pour l'information de trafic, j'ai un 85 que je rappelle en descente. Alors les deux choses vite, soit il est là-bas, soit il est en dessous. Reste avec vous. Avec Bravo, bon ici il n'est pas actif. Bien, je reste avec vous, Québec Bravo. J'ai envie de dire qu'il est quelque part sur la droite, mais je sais pas où. On cherche le terrain ou... Il est en dessous de moi là, enfin il y a quelque chose en dessous. Pas sûr que ça soit ça, si. Mets-toi à gauche, là, 20 degrés à gauche. Hein. Voilà, redresse là, on passe au-dessus là. Ça va? Alors je suis pas sûr que ça soit celui-là, mais on a un château là. Le château de Louvois, ça? On a la ville de Reims là, en face de nous. Ouais, c'est ça, c'est normal. Tiens, Charlie, je vous rappelle. Ok, après on va aller par où? Sur Reims. En allant légèrement sur la droite, 20 degrés à ta droite. En fait, tu vises la base de la ville et ensuite on négociera un virage à 20 degrés. Sachant que le terrain de Reims, il est quelque part à droite. Là. On
voit un autre château quelque part à gauche. Bravo Roméo, fin de largage à Saint-Denis, descente sur l'île 80. Bravo Roméo, c'est reçu à tout à l'heure. C'est là, monsieur. Sierra Charlie, c'est l'information, bonjour, j'écoute. Bonjour, c'est le Fox, Hôtel Tango, Sierra Charlie, DR401, 4 personnes à bord. On a décollé de Montbéliard à destination de Blois. On est actuellement à l'est de Saumur en Auxois. Et on a 7000 transpondeurs, là, néanmoins, okay. C'est vers le niveau. Tu passes le village qui a de feu, là, et après tu vires vers le ras de droite à gauche. Charlie, vous êtes identifié chez 34. Il y en a Sierra qui est quelque part à droite, là-bas. Fox, Sierra Charlie, identifié 3450 au transpondeur. Donc la route suivante, à partir de Reims Sud, ça sera du 290 qu'on va viser pour aller sur Vren. Fox, Golf, Fox à Yankee. Voilà, ok. Allez, tu négocies un petit virage à 20 degrés sur ta gauche. Fox, Golf, Golf. Et on va tangenter le sud de la ville. Vous me recevez, affiché 7000 au transpondeur. Il est sur le terrain. 3, 123, décimal 725, au revoir. François, tu le vois? Tu vois pruner là? Ouais, pruner, juste derrière la forêt là. 45 degrés à droite. Ouais. Voilà. Et le voyant? Pas encore. Là, quasiment devant l'aile, 10 degrés devant l'aile. Là, il y a un camion qui roule et qui passe devant le terrain. Là, la ville est juste derrière à gauche, ouais. À droite. Ah oui, je vois, ouais, là, d'accord. Je cherchais plus pas loin. Pas d'appareil dans le secteur. Je cherchais plus loin, c'était là. Fox, voilà. Roméo Tango en sortie de Maison, 7000 okay, on a le vote qui fait la transfert. Fox, Roméo Tango, 7000 transpondeurs, je suis pas prêt en ce moment. C'est la 4, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc en fait, contactez-moi 118. On reste au sud de la ville, voilà, c'est ça, tu restes au sud de la 4. Voilà, nickel. Donc là on part sur une route 290. C'est bravo novembre, Québec bravo. Québec bravo, j'écoute. Québec bravo, contactez-moi 118 décimal 050. 118 décimal 050, Québec bravo. Donc la ville de Reims, hein. La cathédrale. Cathédrale, oui. Ah ouais, c'est ça. Québec bravo sur 118 décimal 050. 065, Québec bravo. Allez, on va essayer de taper la cave de la cathédrale. Voilà. On l'a jamais vu d'aussi frais. Hein. Test de Fox Papa deux fois, bonjour. Fox Papa deux fois, c'est l'information, bonjour. Ok, c'est bon, on est nickel. Papa, un Beach 36 en provenance de Belize, destination. Donc il est 36. Au fer, au niveau 55. Et on part pour 9 minutes, 10 minutes. On doit avoir un vent quasi de face. Fox, papa, deux fois, c'est reçu, affiché 7-0. Là, on est descendu à 110, vitesse 110. Ok, comme attendu alors. C'est l'information, Lima Uniforme, bonjour. Lima Uniforme, c'est l'information, bonjour. De Fox Juliette India Lima Uniforme, nous devons être 9, 2 personnes à bord. Actuellement 3000 pieds QSNH à destination de Marseille, transpondeur 7000. Fox Lima Uniforme, confirme-moi le terrain de provenance. Provenance, Lima Fox Sierra Whisky. Fox Lima Uniforme, identifié, affiché 3450. 3450 Lima Uniforme. De Papa Lima, pour passer avec Obi Lima. Papa Lima, 7000 transpondeurs, allez, vous pouvez quitter la fréquence avant. 7000, je passe avec Obini, extension, merci. Arrêtez de passer la fin, bonjour. Donc là, on a l'autoroute qui part sur notre droite, c'est normal, c'est bien. Golf, c'est une information, bonjour. Fox Golf, Fox Zulu Alpha, Inter 28, okay, tu restes sur cette route-là, c'est bien, en direction des soucis.
actuellement à 2000 pieds. On a 2-3 pilotes devant nous, on va se tuer. Fox Golf Fox Zoo Alpha, identifié, affiché 7030. 7030, Zulu Alpha. C'est joli, hein, les nuages. Les nuages comme ça qui viennent vers nous. Ouais. Bouteille 072, la suite avec Orly approche 123.875. Orly approche 123.875, merci beaucoup, bouteille 072, bonne journée à vous. Bonne journée. Vitesse contrôlée.
rappel, vitesse contrôlée, autorisé 22, Fox Golf Mike X-ray Oscar, bonjour. Fox Golf Mike X-ray Oscar, Beauvais, bonjour, je vous écoute. Bonjour monsieur, le X-ray Oscar en Robin DR400, 4 personnes à bord, en provenance et à destination de Logne pour un vol local vers le château de Pierrefonds à 2000 pieds actuellement pour information de vol. X-ray Oscar affiché 3740 QNH 1013 et rappelez-moi en sortie du ATV. 3740 sur le transpondeur à 1013 QNH, je vous rappelle pour sortir X-ray Oscar. Fox Delta Papa, vous êtes en sortie de zone, affiché 7000 et Paris Info disponible sur 125 décimal 7. Bon, à gauche là. J'affiche 7000 et je quitte la zone. Bonne journée à vous, X-ray Delta Papa. And Tower Weasel 68 is stand number 2. Do you have the clearance available for us or only during the push? Call you back shortly, sir. Okay. Donc là, on est au sud de Chigne. On a de l'or à droite. Ah ouais, effectivement. Vas-y, mets-toi plus à gauche, parce que sinon il va passer dessus. 1 whisky, 5000 feet, the climb non-standard, and approach 1000. Tu avais dit que tu avais un peu d'essence à droite. Un petit peu. Whisky departure, time initially, 5000 feet, scope 1000, we just escape. That's perfect. Je pense qu'on a un peu de temps, on a encore 1h30. Ah oui. The earliest time will be what, 4-7, 4-6? So the push can be done in 1 or 2 minutes. Same, the runway will be 3-0, no chance for 1-2. Okay, maintenant tu peux reprendre à 2-9-0. It will be 3-0 due to inbound thrust. No problem. 2-9-0. Ben, vous êtes contrôlé pour et le petit patelin, bon, tu vois les étapes qui sont devant là, t'as un petit patelin derrière. Bon, ben à cet endroit là, c'est le point tournant. Et on est toujours dans la zone de Beauvais, c'est bon. Oui, tout à fait. One more minute to be ready, Brian, 1084. Donc là, pour le coup, ça sera du 280 après. Bien, donc la pompe à vos 11h et à plus tard. Tu veux prévenir sur le truc, on va passer à 60 alors dans l'équipe. Fox Hotel, bonjour numéro 2 pour la finale ILS 30, tournée droite 10 degrés, prévoyez un guidage par le nord pour une finale ILS 30. Numéro 2, je tourne 2-0, ça se gagne, ça se prend encore, pas encore. On sera devant sur le dernier lac. ILS 30 par le nord, la dernière étape qui est devant nous. La poste du Lou Uniform continue, descend altitude 2000 feet, QNH 1013, cleared ALS 3-0. Okay, send 2000 feet, QNH 1013, clear for the ILS 3-0 and 4, 3-0 uniform. Runway 1084, ready for the punch. 1084, 2-0 sachant que pour toi maintenant tu dois plus avoir le plan de vol là. Pour aller à 60. Alors attends, vraiment sur le lac hein. Tu nous entends bien François? Non, pas très bien, mais c'est ton cas qui Oui, de son il y a au point essence, c'est que les fréquences, merci. Alors Luc, tu nous entends bien? Ouais, avec. Putain, le faut qu'il y ait un gars. Bah vous temps, ouais, je vais à fond, ouais. De toute façon là t'es cap Soissons et Soissons est légèrement sur la gauche. C'est ça. Voilà, faut que je donc maintenant 2-8-0 dans 10 secondes. Voilà, il est 47 tard. Ah, là, exactement, 10 minutes. Un apport de l'uniforme, shutter sweat, you understand, by another bus today. Pourquoi un apport de l'uniforme? Alors, pour 60, par contre, maintenant, j'ai indiqué 23 nautiques. Alors, non, pour Pierrefonds, j'ai indiqué 23 nautiques. Donc, on va être à 12 nautiques de 60. Donc, 6 minutes.
C'est pas compliqué, on vous laisse ça de toute manière. Runner 1084, radar identified, contact the goal departure 24255. Good luck. 124355, Runner 1084, you have a good day, bye bye. Thank you. Eco Kilo Alpha, alignez-vous 22, prévoyez un virage droite à l'issue, vous me rappellerez l'axe 1230 dégagé au nord. Dernier vent 270 degrés 9 nœuds, autorisez décollage 22. Autorisez décollage jusqu'à 22 et je rappelle qu'il faut l'axe croisé, Eco Kilo. Voilà, pour choisir le uniform in the event of missed approach, straight at 3000 feet, radar vector. Il devrait à gauche, Johan. Runway 43, Zulu uniform established now, 6 miles. It's 43, Zulu uniform, light aircraft departing from the short runway, perpendicular. And I will call you back, expect late clearance. The latest wind is 260 degrees, 9 and 0. We continue on airport 3 to 4. Ryanair 4, Zulu Golf, stand 1-1, QNH 1012, request push and down. Good day, sir. I call you back shortly. I have a colleague that will enter the apron. It will be... I call you back shortly. Ryanair 4, Zulu Golf. And for Zulu Golf, in fact, ask for... push on the pad to allow a colleague to enter 1012 and the push and start approved on the push pad. Push and start approved on the push pad, Ryanair 40 off. Thank you. Zulu uniform. Donc on salue bien amicalement Fifi. Runway 30, clear for them. Runway 30, runway 430 uniform. Et quelque part à droite là. Et jusqu'où on reste avec Beauvais Ouais ouais tout à fait. Jusqu'à jusqu'à 300 Ouais, jusqu'à Pierrefonds en fait. D'accord. Ouais, jusqu'à Pierrefonds tranquille. R4 Pelletier 1013, à Bretagne. J'ai un visuel sur le terrain, Johan. Déjà? Ouais. Ah ben il est pas loin. Enfin, je pense que c'est le terrain. Ça correspond à mon souvenir. Dans l'axe. Ah oui, je vois. Tu vois? Ouais, avec sa tour de contrôle, il est posé. Ouais. Donc là, t'es sur une très bonne trajectoire, là, nickel. Je laisse le terrain sur la droite, c'est le terrain. Donc là t'as une ville, les deux villes, tu passes entre les deux en fait. Ok. Alors le terrain de 60 est à 500. Donc le tour de piste à 1500 et nous on est deux villes donc on est au-dessus. Nickel. Bon alors Fifi est par là, de mémoire. Fox Fox Hotel tourne à droite au cap 115 et je vous rappelle pour plus bas. Hop. 415, pas peut-être. Alors autant des fois c'est très dur de trouver un terrain, autant des fois c'est là dans la minute quoi. Donc là on a un vent qui est presque de face. Ah oui. Donc c'est là où on perd une minute. Et en y fait. Il y a un avion. Ah ouais, un avion qui est en base. En base. Oui, there, 6-8, we're ready for taxi. With our 6-8, taxi holding point whiskey. The only point whiskey with the 6-8. On approach with zero uniform by November, taxi stand 12. The colleague is being pushed on the pad. And welcome to Bobby. By November, stand 12, merci beaucoup, we're ready for taxi uniform. On garde en deux, non, il est en local. With our 6-8, taxi holding point whiskey. Non, il est en local, wait, runway 30, call me back fully. Il est bas. Line up, enter line up, runway 30, we'll go with the 6-8. Garde le vœu. Là en VVN toujours. Ok ouais, il s'approche sur le terrain, il est en finale. Ok. Ouais, confirmé.
Enfin, je pensais qu'il est allé plus loin, je pensais qu'il est en local, mais ouais, ok. Ok, trajectoire nickel là. Je change rien au cadrage. Bon, on le rattrape, hein. Courte, très courte même. Ok, il va toucher et on le déborde. Voilà. 290. Voilà, maintenant on fait comment? Voilà, c'est parfait. Dans le château 290 pour... ouais. Pour aller. 290. Et donc là on est à 5 minutes. Fox, Papa Hotel, tourner à droite au 430 pour tuer la descente 3000 pieds maîtresse. Ouais. 430, descente 3000 pieds maîtresse, Papa Hotel. Alors ça, on verra le résultat au montage. Je vois quasiment rien. Mauvais de Fox Hotel, on Delta, à 53, Hotel. À 58, on devrait être sur le château. Hotel Delta Lima Hotel, un EVSS au parking nord avec deux personnes à bord, reçu l'information Fox, ce serait pour prendre la 22 check et 52. Check caméra Jean-Luc, check caméra. Fox Lima Hotel a affiché 34-30 au transpondeur, QNH 1013, rappelez-moi après au point d'attente Alpha. 34-30, 1013, je rappelle, point d'attente Alpha, Fox, Lima Hotel. Mais plus beau à l'arrière. Ouais. Je vois le château. Ouais, je vois le château. Hello. Bon alors, heureux François? Heureux? Ah, très heureux, très très heureux. Jean-Luc. Moi je suis heureux de nature, tu sais bien. Ouais. J'allais dire t'es blasé maintenant. Ah non, je serai jamais blasé. Jamais blasé? Ah non, bon. Nickel. Donc de mémoire, les altitudes de sécurité sur Pierrefort, c'était 1600 pieds. On va prendre les 2000, c'est très bien. On reste là à 2000. Donc je te propose, Johan, comme trajectoire. Attends, j'ai filmé un petit peu. Est-ce qu'on est toujours dans les temps? On va se poser maximum dans 35 minutes. Alors attends. Ready for departure, alors, dans les temps, je vais dire ça. Une fois qu'on sera sur la Ferté Milon, on a 9, 17, 16 et 6. 22, alors on va dire 25 minutes. Plus, là on est dans 2 minutes. Je dirais plus 10 minutes. Donc on doit être à 35 minutes. Parfait. Donc ce que je te propose comme trajectoire, Johan, comme la dernière fois, tu sais, on vise par le village, enfin, la ville, par le sud, on fait un 270, pour bien le voir, et ça nous met pile sur la route de départ. Ok. Fox Papa Hotel, tourner à droite au cap 260, autorisé final IRS. Alors maintenant, 260, autorisé IRS 30, Papa Hotel. La route, ça sera à 150 a priori. Fox Lima Hotel, le point d'attente Alpha. 150 pour 12 nautiques. Lima Hotel de Alpha, entrez pour la sortie. 22, attendez. La sortie, 150 degrés. 22, j'attends. Fox, Fox Lima Hotel. Donc, j'allais dire... finalement, avec une visibilité comme ça, c'est trop facile. Ah ouais. Je vois 10 nautiques presque, le truc. Ou pas loin, enfin 5 nautiques facile. Et aussi la couleur, hein, il est blanc dans une forêt plutôt foncée. Ouais. C'est facile, il est facile à... Voilà, pour le Golf, il y a November, Enter, Backtrack, and Vacate 301. Alors,
Lambda, indice pour la suite tout à l'heure. La ville qu'on voit là-bas, c'est l'hypertrophée. Donc on va viser, tu vois le champ qui est à droite là. Je pense qu'on va y passer dessus. Juste le line-up. Pas de trafic en vue. So, for the Golf Center 30, backtrack at Romeo 1, maintain the link point Romeo 30. Fox Lima Hotel, aligné 22. Fox Lima Hotel, maintenez, je vous rappelle. Bien reçu. Donc là, on est à une heure de vol, pile. Ah, une heure de décollage, hein. Ouais. Donc, je sais pas si tu te souviens. Pour celui-ci, pour le château, il faut qu'on aille bien chercher au sud. Tu vois les petites maisons qui sont dans la forêt, là, juste derrière, là. Ouais. Tu vas vers elles, et ensuite tu fais un 20 degrés tranquille, en passant un petit peu plus à l'ouest et en remontant bien au nord. On va avoir à peu près un kilomètre par rapport au centre du château. Un virage d'un kilomètre. Et tu vois, là, au point de sortie, tu as le village qui est à droite, là. En fait, tu vises le champ jaune qui est derrière à droite. Après, oui. Ça, c'est le point de sortie. Par contre, une fois que tu es sur le point de sortie, tu peux prendre 30 degrés et on se rapproche du château, on le verra bien. En fait, c'est en sortie qu'on le voit. Et Papa Hotel, vous prévoyez un dégagement par Whisky? Par Whisky, Papa Hotel. Fox Lima Hotel vent 280 degrés 8 nœuds, autorisé décollage 22, virage et 50, droite, virage de dégagé au nord. Autorisé 22, je vous rappelle, axe 1230 dégagé au nord, Fox Lima Hotel. Voilà, tu continues encore tout droit. Allez, the car begin at 29 right now for the Golf. For the Golf, 5000 feet non-standard climb on the OKD 1 Whiskey departure. Squawk 7635 and departure frequency when instructed 124 decimal 355. Ok, dans 10 secondes, tu plantes la mer 20 degrés à droite. We are clear to destination via Whiskey departure. No standard climb to 5000 feet. Encore un peu. Departure frequency with the Golf 1 instructed 124 decimal 355. 3. Voilà, pour le Golf. Donc en fait, toi, on est même un peu pris, donc. Fox Lima Hotel, initialement, maintenant, au sud de l'axe 1230, j'ai un... On va prendre encore plus de marche, c'est ça. Qui se pose en 30 en cas de remise de gaz, il montera dans l'axe. Alors, dans 5, 4, 3, 2, 1, maintenant. Voilà, et là, tu peux prendre un 30 degrés. Et regarde François, là, c'est là où tu verras mieux. With traffic inside, Ryanair for Zulu Golf. For Zulu Golf, behind the citation, short channel 30 for Romeo, line up 30 and wait behind. Behind the line, in traffic for runway 30, we are clear to line up and wait runway 30 behind. Bien éclairé, tout comme il faut là, c'est parfait. Ok. Et bon, voilà la prise de route. 450 à gauche, il n'y a personne, on tourne. Et il est 0... 2. Donc c'est Lima Hotel, vous pouvez traverser l'axe 12-30, rappelez-moi de retour. Ok, c'est vent droit là. Le champ devant nous là-bas. Bien reçu, donc je rappelle de retour de Lucas Nord. Donc c'est Lima Hotel. Donc c'est ça. Foxy, on a le point de convergence en fait. Oui, tu vois la ville de Villers-Cotterêts là? Juste à droite, t'as un champ marron. Oui. Bah tu vises ce champ là.
et tu passes légèrement sur sa droite. Donc il est 2, le vent il y a de quoi là de face, de droite dans le 5 et approchant du poste. Là on est plus sous l'influence des courants d'air. 540, bienvenue à Beauvais. Merci, donc droite sur Whisky, puis le poste 5. Et la fierté bilan, les vues, on va dire à 0,8. La caméra, ça fonctionne encore. Ça fonctionne encore, et là aussi. Parfait. Donc là, Johan, on n'a que des petites villes blanches, donc ça va, tout va bien. On est nickel. Voilà, port Zulu Golf, wind 270 degrees, 9 knots, runway 30, 450. 340, runway 30, Lionel, port Zulu Golf. Ok, je pense voir la fierté Milon. Donc c'est pas compliqué, Johan. Tu vois le champ que je te parlais là, ouais. Derrière, pile dans l'axe, légèrement à gauche plutôt, on dirait qu'il y a une petite ville. Là c'est la Ferté Milon. D'accord. Donc dès qu'on a passé la Ferté Villers-Cotterêts là, on prend 20 degrés à gauche, voire 30 degrés à gauche, ouais. Pour s'éloigner, pour ensuite faire un virage et tourner comme ça. Le château on le verra dans le virage. Donc en fait on arrive par le nord de la ville et on la contourne. En combien de temps? Combien de minutes? 4 minutes maintenant. Et la route suivante qui mènera à Utella, ça sera du 195. Bon, on va dire à 190, allez. En gros. Jean-Luc, sur ta gauche, il y a quelque chose qui ressemble à un château aussi. Non mais après village, hein. Après village. D'accord. Voilà. Ok. Il y a la voiture qui est sur la route là. Il y a une voiture qui brille au soleil là. La route elle part à droite vers l'autre comme ça. Là où c'est la Ferté Milon. Donc là tu vas pouvoir ouvrir le 30 degrés à gauche. La route qui est là, entre les deux forêts. Voilà, donc tu prends à gauche. Mais tu prends le champ vert, là, tu t'habites dessus. Et tu le suis. 24355, good flight. 24355, on avait dit justement avec Sifi. À gauche là-bas. Ouais, ouais. C'est celui qu'on voyait tout à l'heure. Ouais. Ok. Donc tu vois le champ vert tout clair qui est là. Tu vas le chercher en gros. T'as le vert et t'as le marron. Tu vas aller chercher et on va engager le virage comme ça à ce moment-là. La Ferté Milon est juste en dessous à droite. Je vois les ruines. Elles sont sur la partie droite de la ville. Il y a un grand champ tout vert clair. Et au pied des châteaux en fait. Donc en allant là-bas et en faisant un bon 20 degrés, on devrait être bien. François, tu l'identifies le château? Oui. Donc tu vas le voir dans 10 secondes, Yoann. Fox X-ray Oscar, vous arrivez bientôt en forme. Ouais, les... Vous affichez 7000 et Paris Info disponible sur 125 décimal 7. 10 degrés. 7000 X-Ray Oscar et le contact Paris 125 et 25, monsieur au revoir. 050, avec 7000 transpondeurs. Au revoir. Page 124, 050 et 7000. Ok, à gauche, contact après, hein. Contact après. Écoutez, la ferme, il y a pas mal de gauche, il est à gauche. Voici Québec, bravo. Et ouvrez-le, ok, château à droite, visuel, vous voyez là? Il est énorme. Peut-être très Julien. Voilà. Là, on le voit super bien, là. Ouais. Trajectoire nickel, Yoann, tu bouges pas, c'est parfait. Ah, je vais arriver devant l'aile. Tu peux virer 30 degrés maintenant. Victor, identifié radar. Personne à droite.
Reste plus grand chose. T'as rien fait sur le kilo de loup ? Kilo de loup ? 30 degrés, en 30 fait, degrés. Là, on descend vers. Prends quelle route ? 30 degrés, 30 degrés. Kilo de loup, voilà. Le transpondeur, au revoir. Ok, et maintenant on va au sud. Également. On va rentrer à la maison ? Ouais. Donc, route. Donc là, il est 08, route 190. Tire à droite même là. Il y a une autre fortification à voir. Fred, ici Foxtrot Golf Papa Oscar Mike, bonjour. Foxtrot Golf Papa Oscar Mike, bonjour, on vous rappelle dans quelques instants. Ça prolonge beaucoup. Non, on est sur l'axe. On reste de fil en fait, on s'approche juste un petit peu, c'est tout. Fox Alpha Yankee, identifié radar. C'est reçu Fox Alpha Yankee. Fox Golf Uniforme X-Ray. Alors, va. Oui, X-Ray, je vous écoute. Tiens, des potes, là, je sais pas lequel. On vient de passer Amboise, on est à côté de la pyramide de Santiou. Combien de temps pour celle-là? Alors, oui, maintenant, on va retrouver pas, il est 08, donc on est à l'heure. PNH, X-Ray Romeo. On a 7 et 6, ah, X-Ray Romeo, 13. Je vous vois maintenant. Vous on est à 15 minutes. Passé en 70-10 au transpondeur. Là, je vous vois en 70-47. Oui, on est à 70-47 au transpondeur X-Ray Romeo. Et il faut que vous preniez un code de ma zone, donc c'est 70-10. 70-10 et X-Ray Romeo. Merci. Paris Info de Fox Golf Mike X-Ray Oscar, bonjour. Fox Golf Mike X-Ray Oscar, bonjour, je vous rappelle. Ok, Fox tu continues sur la forêt, c'est quoi celui-là? Fox Golf Papa Oscar Mike, un VR-400-120, deux personnes à bord, on monte dans le 2-3 en direction de Logne. 2058 UNS, transpondeur 7000. Oscar Mike, transpondeur 70-12. Transpondeur 70-12, Oscar Mike. Fox, X-Ray Oscar, Paris. X-Ray Oscar, le Robin DR400, 4 personnes à bord, en local, pour un tour vers Logne, et information de vol, s'il vous plaît. Fox, X-Ray Oscar, identifié radar, transpondeur 70-16, et il y a un autre trafic qui est venu dans votre secteur, 500 pieds bas. Reçu X-Ray Oscar, 7-0 unité 6. On n'a pas de ZL pour le moment, le trafic. Bon, il est dans vos 6 heures maintenant. Il fait une route au nord, vous le recroiserez plus, je pense. Merci pour l'info, X-Ray Oscar. Fox Uniforme Victor, Paris. Je pense que le château est en dessous, là. Alors continuez tout droit, on va le voir. Uniforme Victor, Paris. Oui, ce truc-là. Uniforme Victor, vous pouvez passer avec Beauvais, 118 et 7000 à transpondeur. Et bon, il n'y a pas de village. 19-8 et 7000, Uniforme Victor. Le truc qui est en rouge dans le coin de la ville. Ouais, c'est ça, voilà. Et la tour qui est en dessous, là. Charlie Coup. Et la voie Jean-Luc. Ouais, ouais. Ok, maintenant placez-le. Pas de visuel sur l'appareil. Ah non, il est désormais derrière nous. C'est derrière nous, on a croisé. Alors, je vais voir si le château comme ça. 180 piles. Bonjour monsieur, Fox Golf Club Charlie, ex-groupé à 28, provenance Magin, destination Rouen. J'ai tenté à venir au 55 en route sur Amboise et Charles 38 pour transiter dans les zones de tour. Il est où ce château? En bas là. Fox Golf Charlie Echo, 70-04, 7-0-04. 7-0-0-4, Charlie Echo. Ok, on va éteindre à droite devant. Vous voyez la tour là-bas? Fox Golf Delta Novembre Mike. Ok, va voir là-bas. Fox Golf Delta Novembre Mike. Fox Golf Delta Novembre Mike, si vous recevez, passez en 7000 et contactez Nantes 130-275. Ça fait 15. Fox Golf Mike X-Ray Oscar identifié. Merci, Fox Golf Papa Oscar Mike identifié. Fox Golf Charlie Echo identifié. À gauche là-bas. Charlie Echo. On va raccourcir un peu, on va. Si tu veux, d'accord. Ok. Oh, c'est très bien comme ça, parfait, t'as raison. On n'y passe pas souvent ici. Rien, faut bonjour du Fox Bravo Victorien, tu crois.
Fox, Bravo, Victor, Yankee Fox, 70, 11, 70, unité. 7-0, unité, Fox, Yankee Fox. Rien de Fox Charlie Oscar, travers nord-ouest Vendôme. Vous confirmez que les zones d'Orléans, Châteaudun sont inactives? Oui, je confirme. Charlie Oscar. Ouais, 1500 pieds, c'est juste devant nous là. Ouais, c'est pour ça. Je descends rapidement, désolé pour les oreilles. Ouais, mais si tu pars légèrement à gauche, c'est bon. Voilà, c'est bon, 1500, voilà. Bon moment, encore 50 pieds. Ah, quoi que je dis ça, non, mais on est relais, ouais, quoi que. Si, si, là, là, dans 30 secondes, on est à la zone 1500. Là, on y est, et on est à 1500. Quelle Fox, Bravo, Victor, Yankee Fox, identifié radar. Pour info, du para en cours sur Charleville. Ah, bah, c'est bien à gauche, là-bas. Merci pour l'information. Ouais. Ok, plus besoin de la carte. On est à maintenant à la maison. Je passe tout droit entre ces deux trucs, les deux assistantes. Ouais. D'accord. X-ray Oscar. X-ray Oscar. Vous avez des visuels sur le trafic dans vos 9h? Alors oui, il a croisé X-ray Oscar. Vous confirmez, vous parlez de trafic qui vient de nous croiser. Très bien. Il y a toutes les stations et info. Pour rappel, beaucoup de trafic sur vos séparations. C'est génial comme message. Paul Fox au Fermain, ce serait pour quitter la fréquence pour celle de Logne, 118.6. Oui, Oscar Maïs, vous pouvez quitter avec Logne, au revoir. Bonne journée, au revoir. Tout ce que tu dis ici, une forme ligne, je contacte Curie. Nombre 64, 13 Juliette, sur la fréquence. Oui, 13 Juliette, en veille. Très bien, c'est pour savoir si vous étiez toujours avec nous. Je vous reçois 5. 13 Juliette, je suis en veille chez vous et petit message à la RTAV que je vais passer dans 3 minutes. Plaisir. Fox de Bravo à Fayanti. J'écoute Fox à Fayanti. Vous allez poursuivre ce cap Pantin ou vous allez faire demi-tour? On va aller jusqu'à Épernay, faire la vallée de la Marne et retour. Dans ce cas, repasse en 7000 et contactez Seninfo 120-325. 120-325 et 7000, Fox Alpha Yankee, merci. X-ray Oscar, pour vous quitter également, s'il vous plaît. Paris Info de X-ray Oscar pour vous quitter. Qui vous quitte? X-ray Oscar. X-ray Oscar, correct? Affirme, X-ray Oscar. C'est X-ray Oscar qui veut quitter? Affirme, X-ray Oscar pour vous quitter. Oui, X-ray Oscar, désolé, mais la radio est mauvaise, donc vous pouvez passer sur la fréquence de Logne et 7000, au revoir. 7000, au revoir. Enfin, la vie, c'est une radio. Thank you. Bonjour, ici l'information Bravo, enregistré à 9h UTC, qui est en service 26, attention escalière, vent 280 degrés 7 nœuds, visibilité 10 km, température unité 8, QNH unité 0, unité 3, coucher du soleil 19h26 UTC. Informez l'un des premiers contacts que vous avez reçu l'information Bravo, merci. Total ici de l'information Bravo, recorded 09h00 UTC, on est unis 26, caution bas. Reçu Fox Oscar, très loin de mon secteur, j'ai pas connaissance de tous les trafics dans votre secteur, rappelez-moi à 3 minutes du point écho. Je rappellerai à 3 minutes du point écho, Oscar Max. Fox Delta Papa en début de vent arrière pour un toucher 26 gazonné. Fox Kilo Hotel, piste 26 dur, autorisé toucher, vent 270 degrés, SIN. Autorisé toucher, piste 26 sur Fox Kilo Hotel. Delta Papa numéro 1, rappelez final piste 26 gazonné. Numéro 1, je rappelle le final 26 gazonné, Fox Delta Papa. Il va nous chercher. Image Charlie, transport 7000, quittez à plus tard.
contact. C'est ma Charlie, j'affiche 7000, je quitte tout à l'heure. Vous voyez le terrain devant à droite là? Ouais. François? Oui, oui, je vois bien, ouais. Juliette Latour, bonjour, alignez-vous piste 26 du autorisé décollage vers 270 degrés de fil. Ah, ça, Juliette, bonjour, je m'aligne et je décolle 26 dur. De trafic à droite. On a un avion sur Charles de Gaulle, vous là-bas. Ouais. Echo, c'est par où maintenant? Bah maintenant, il y a gauche, là. Tu prends les champs qui sont à gauche, là. Et après, on va tomber sur l'autoroute. On est à 3 minutes d'écho, là. On voit Disney devant nous. Ok, tout droit. Tu fonces sur Disney et après les champs. Et après, plein sud. On s'entend la verticale, Fox Papa Juliette. Ok, Fox Papa Juliette, rappelé en sortie pour quitter, la verticale est approuvée. Rappel verticale pour pardon, en sortie pour quitter à l'étude de la verticale, Fox Papa Juliette. Tu vois les hangars là-bas, c'est une ligne d'écho. C'est interdit après l'autoroute, c'est pour que ça soit pas maintenant. Donc Delta Papa, piste 26 gazonnée, autorisé touché, dans 230. Bon ben François, t'as droit à Disneyland. 26 gazonnée, Delta Papa. Je l'avais jamais vu comme ça. Fox Québec uniforme, je l'avais jamais vu comme ça. Vous piste 26 dur et attendez. Québec uniforme, je m'aligne et j'attends. Bonjour monsieur. Logne tour de Fox Golf Mike Extérieur Oscar, rebonjour. Fox Extérieur Oscar, Logne tour, rebonjour, transpondeur 37-30, je vous écoute. 3-7-3-0, en retour d'un local avec l'information Bravo pour un compte. À 2 minutes de point écho. Fox Extérieur Oscar, rappelé écho, trafic bimoteur, passe écho en sortie S 1500 pieds. On rappelle écho, recevoir le trafic, ça devient pour le moment. Et où est-ce que vous êtes pour Québec? C'est ça l'autoroute? En 38 Golf, trafic 11h45, voilà. Robert, ouais, route, écho, 1200 pieds. Pas de visuel sur le... 38 Golf, on n'a pas de visuel, vous voyez. Fox Oscar Mike, je suis à 3 minutes de vos installations. Venez, tour de piste. Québec uniforme, je décolle, visuel sur le Cessna devant. Okay. Kilo Hôtel numéro 1, rappelé final piste 26 dur. Numéro 1, je rappelle en final 26 dur. Parce que... Toujours pas de visuel sur le bimoteur. Non. Fox Oscar Mike de Logne Tour. Fox Golf Papa Oscar Mike. Toujours un DR400, 120, deux personnes à bord. Fox Oscar Mike, j'ai toujours vos intentions. Transpondeur 37-31, rappelé écho. Transpondeur 37-31, je rappelle écho. Oscar Mike. Donc il serait Oscar, visuel du bimoteur 300 pieds haut. Visuel, Oscar. Ok. Donc 38 Golf, vous avez croisé le Robin 300 pieds bas, un autre trafic, midi, 3 nautiques, Robin, route, écho, 1200 pieds. On avait un croisé, on ouvre l'oreille pour l'autre Robin. Bon ben, belle trajectoire, Yohan. Et toi, tu te gosses, c'est pour quitter la fin grosse. Je vous rappelle une fois croisé le second trafic, 930 Pulgol. Je suis rentré dans le CDR de moins de quelques mètres, je pense. Ah bon? Fox Oscar Mike, un trafic 11h, 2 nautiques, bimoteur, 300 pieds haut. Je vais prendre la gazonnée. D'accord. Moi aussi pour le trafic, route à l'est, aucun. L'Ouest de Québec uniforme. Québec uniforme, j'écoute. Pour un report vertical si c'est possible. Vertical approuvé, Fox Québec uniforme, rappelez pour quitter. Québec uniforme, report vertical, je rappelle pour quitter. X-ray Oscar, point écho, et ça sera pour la gazonnée si possible.
Donc X-ray Oscar reçu, exécute approche directe piste 26 gazonnée, numéro 1, rappelé final. Numéro 1, 26 gazonnée, X-ray Oscar, on va rappeler final. 938 Golf, le trafic est croisé, transformeur 7000, quitte à plus tard. 7000, on croise aussi plus tard sur du Golf. Transfix Hôtel, piste 26, du autorisé touché, vent dans l'axe SIN. Caméra 7, ok Jean-Luc. Caméra 7, ok. Mike, ouais. Le trafic bimoteur à croisé travers droit, rappelez écho. Trafic est croisé travers moi, je rappelle écho. Donc Papa Juliette, 30 7000, quittez à plus tard. 7000 et on quitte, donc Papa Juliette, à plus tard. Fox Delta Papa en vent arrière pour un complet, piste 26 gazonnée si possible. Donc Delta Papa numéro 2, trafic précédent, Robin, longue finale, rappelez finale, piste 26 gazonné. Je surveille. Numéro 2, je rappelle finale 26 gazonné, Fox Delta Papa. Fox Tango Oscar Latour, bonjour, alignez-vous piste 26 dur et attendez. Bonjour, je m'aligne et j'attends devant Fox Tango Oscar. Tango Oscar, piste 26 dur, autorisé décollage, vent dans l'axe 5 nœuds, trafic HR 200, montée initiale, tour de piste. Autorisé décollage 26 dur, Tango Oscar. Fox Zulu Echo, la tour, bonjour, après le départ du Robin, alignez-vous, piste 26 dur et attendez. Fox Zulu Echo, après le départ du Robin, je m'aligne 26 dur, j'attends. Ok, visuel sur la Delta Fox. À droite là. Un droit arrière. Fox X-ray Oscar, piste 26 gazonné, autorisé atterrissage, vent dans l'axe 5 nœuds. Autorisé atterrissage, 26 gazonné. C'est pas Delta Fox. Fox Zulu Echo, piste 26 dur, autorisé décollage, vent dans l'axe 6 nœuds, trafic Robin, montée initiale, sortie Est. Fox Zulu Echo, autorisé décollage, 26 dur. Fox Québec Uniforme, transpondeur 7000, quittez à plus tard. Québec Uniforme, 7000, à tout à l'heure, monsieur. Aïe, Johan! Du velours! Tu m'étonnes! Et t'en as une juste à droite, et un autre derrière. 100 mètres à droite. Fox Zulu Echo, vous avez visuel du Robin en vent traversier? Négatif, Fox Zulu Echo. Su. Il va virer en début de vent arrière à présent, Fox Zulu Echo. Ouais, j'ai visuel, j'ai le coup. Je vais écouter, ceci ce serait pour un report vertical pour une prise de cap par le sud. Vertical approuvé, rappelé pour quitter, Fox Zulu Echo. Fox Delta Papa, courte finale pour un complet 26 gazonné. Fox Delta Papa, piste 26 gazonné, autorisé atterrissage, vent 270 degrés sine. Autorisé atterrissage, 26 gazonné, Fox Delta Papa. Fox Protocar Mike, au point Echo. Fox Oscar Mike, exécuté approche directe piste 26 gazonné, numéro 1, rappelé final. Trafic HR 200, fin de vent arrière pour la dure. Fox Oscar Victor, on prend la tente 26 dur, prêt au départ. Fox Oscar Victor, maintenant on prend la tente, veille la tour 118 décimal 6. Fox Oscar Victor, je maintiens et je veille 118 décimal 6. La Nassau 2, X-ray Oscar, rebonjour madame, on a dégagé la 20 décimal dans ses portails. Fox Oscar par la gauche, roulez rappelez whisky 2. Je roule par la gauche et je rappelle whisky 2. Quand on roule par la gauche, il faut appeler avant de croiser. Ouais. Quand on roule par la droite, ça va, pas besoin. Donc, je ne peux pas deux fois près au départ.
Fox Papa 2 fois, maintenant en bonne attente, veillez la tour 118 décimales. Bonne attente dans décimal 6, Papa 2 fois. Alors François, ah, beaucoup par là, de bonheur. C'est ouais, whisky 2 tout. Oscar, whisky 2. Oscar, après le passage de l'Aquila au décollage, vous pourrez croiser après 20 novembre. Ok. Après le passage de décollage, ça ne sera pas novembre de près. Donc ça ne sera pas maintenant en point d'attente. Veuillez la tour 38 décimales. Bon, maintenant, on va y 18, soit que ça soit ça. Donc, je crois que ça, vous pouvez y aller et vous pouvez poursuivre même et quitter au parking. Bonne journée. On continue le roulage et je quitte au parking, très au carnet. Fox Delta Papa, piste 26 gazonnée, libéré. Restez par la gauche, je voulais rappeler Whisky 2, Fox Delta Papa. Je roule vers Whisky 2, je rappelle Whisky 2, Fox Delta Papa. Et le seul bonjour du Fox Delta Nantes 2 fois. Fox Nantes 2 fois, là, une salle, bonjour. Bonjour, un Cessna, deux personnes à bord au parking ferry, on a reçu bravo pour Beau. Fox Nantes 2 fois, transpondeur 37-20, roulez pour l'attente, piste 26, du rappel près. 37-20, roule 26 du rappel près, dans deux fois. Ah, ça y est, on a fini de se faire secouer. La nacelle de Fox en uniforme, rebonjour. Fox en uniforme, la nacelle. On en était, François alors. Fox en uniforme DR400, la pompe à essence avec la. On a perdu François, non, il est avec pour nous. Un vol local vers Belin. J'entends rien. Bon, mince. Fox Romeo Uniforme, transpondeur 37-22, c'était le passage au Robin sur novembre, roulez point d'attente piste 26, du rappel près. Transpondeur 37-32, je laisse passer le Robin et je rappelle point d'attente 26 dur, Fox Romeo Uniforme. Pour le transpondeur, Fox Romeo Uniforme, c'est 3-7-2-2. 3-7-2-2 au transpondeur, Fox Romeo Uniforme. Fox Delta Papa, point d'attente Whisky 2 pour rouler Aeroflight. Fox Delta Papa, croisez, roulez, quittez au parking, bonne journée. Je croise et je roule au parking, bonne journée à vous, Fox Delta Papa. Aussi. Hop, arrêt moteur, relève de dans l'axe, ça c'est off. Arrêt hauteur 31. Allez, synchro de toutes les caméras. 3, 2, 1. Attends. C'est bon, tu peux ouvrir un peu. J'arrête ça. Eh ben, c'est impeccable. Super, merci beaucoup. De rien, avec mes yeux. Une minute bien. Près. Yes. C'est parce que j'ai créé la gazonnée, c'est un peu plus long pour sortir, c'est ça. Eh ouais. Bon, monsieur François, alors. Ah, que du bonheur. Que vraiment, du bonheur. J'ai suivi sur la carte, sans GPS. Ouais. Je me suis perdu au niveau de Soissons. D'accord. Pierrefonds, t'avais l'air de chercher. Hein. Ah ouais, j'ai cherché. Et après, quand on est revenu, j'ai retrouvé. D'accord. Ouais. Bon, nickel. Okay. Bon, une bonne reprise, quoi. Ouais, super. Super, des belles sensations. Hein. Parfait. Allez, on va arrêter tout ce matériel là. C'est bien. On peut respirer. Allez, on arrête dans l'ordre inverse. Hein.
1h46, tu vois, de vidéo. Bon, ben il a survécu. J'ai même la sortie du baptême. Ben écoute, là, ouais, on va faire ça. Super session. Ça fait du bien. Ouais, ouais. Puis on a eu une météo là qui était bonne. Mine de rien, elle était vraie. Elle était vraiment très bonne en fait. Ouais. Bon, ben il n'y a plus qu'à ranger le matériel. Content, Johan ? Comment ? Content ? Très bien. Joliment, merci pour la nave. C'était nickel. Voilà, maintenant. Heureusement, il fait beau, donc oui, on a bien fait de ne pas annuler. Ok, à droite maintenant. C'est quasiment dans l'axe, 10 degrés. Voilà, tu vas tomber sur les roues. Voilà, 1,50 m, 1 m, 50 cm.